Cardix, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation d'un nouveau véhicule. J'aurais bien aimé vous faire la présentation d'un véhicule que j'ai acheté récemment, nommé 125YZFR, donc je vous mets 2-3 extraits là maintenant. Le problème étant, c'est que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo de présentation, que le moteur est parti en fumée. Donc définitivement je n'achèterai plus Yamaha, mais je resterai chez Honda, je pense que ça me servira de leçon. C'est dommage parce qu'elle était quand même sympathique, mais bon, peut-être que j'en ferai une vidéo un peu plus complète une autre fois. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est mon nouveau véhicule. Vous savez bien que j'allais pas rester en Fiat Panda tout de même, que je vais vous présenter du coup là maintenant. Je vous laisse admirer. Donc, il s'agit d'une XGT Phase 1 de 1990, donc la première tout simplement. Donc c'est un 1,4 litre à carburateur double corps qui développe 85 chevaux d'origine et qui est ici monté donc tout en blanc avec ses pare-chocs blancs. On la voit assez rarement dans cette configuration-là, elle est dans une configuration qui rappelle énormément la X-Sport, elle lui ressemble beaucoup. Mais c'est vrai que d'habitude elle est plus grise et très souvent avec les pare-chocs en bas noirs. Donc sur laquelle on a greffé deux petits longues portées d'époque. Donc on a fait pas mal de travail dessus, on va faire un peu le tour. Parce que quand je l'ai récupéré, elle avait quand même pas mal de boulot à faire. Et on va faire un peu le tour de tout ce qu'on a fait, tout ça, on va vous présenter un peu ça. Donc déjà, première chose qu'on a pu faire dessus, on a changé le capot, il était complètement bossé. Donc on a réussi à retrouver... Oh, je viens d'étaler la merde! C'est génial! On a changé le capot qui était complètement bosselé. On a refait donc un polichage complet parce que pour raviver un peu la peinture, on avait tous les liserés qui sont sur les côtés. Tiens, ça arrive à bien filmer. Tous les liserés qui étaient sur les côtés qui étaient en fait très abîmés, très écaillés. Avec le temps, ça finit par sauter donc ils sont neufs en fait. Il y a une boîte qui les refait. On a trouvé ça sur internet et les mecs refont les liserés d'époque. Ils sont un petit peu plus fins, mais bon, ils font très bien leur taf. On a remis du coup les petits sigles GT sur les portières à la manière du coup de la X-Sport. Le but ça a été de vraiment la refaire comme monter quasiment comme une X-Sport alors que c'est une GT. Donc la X-Sport qui est en fait le 1 litre 3 double carburateur double corps qui développe 105 chevaux je crois la X-Sport ou 95, je sais plus, enfin bon. En tout cas voilà, celle-là c'est un peu plus gros moteur mais par contre il a un petit peu moins performant du coup par sa carburation limitée. Voilà monté avec ses belles jantes tôle blanches, ses petites bavettes rouges. Donc là en fait on a eu pas mal de problèmes, c'est-à-dire que depuis que je l'ai acheté, ça fait 2 mois que je l'ai, on a changé la quasiment totalité du train avant, c'est-à-dire les deux triangles, barre stable, cylindre bloc de barre stable, cardan, tout y est passé, c'est pour ça qu'on voit que c'est tout neuf. D'ailleurs les jantes sont neuves, alors on n'y voit pas trop parce que bon là c'est un peu sale, mais on les a refait faire en fait en blanc pour qu'elles soient blanches comme celle derrière. Donc ensuite on va passer à l'intérieur. Donc voilà, donc là on a refait les portes parce qu'en fait les tapisseries étaient mal, étaient toutes baillantes, tout ça, il n'y avait plus de cache enceinte. Alors là par contre faut que je bricole avec une agrafe parce que là la vis c'est juste en décoration, faudra juste faire une agrafe derrière pour que ça vienne plaquer bien. Ça j'ai récupéré ça d'une autre ex, je sais pas si c'était ces caches là d'origine, on a récupéré des pièces à droite à gauche, il y a plein de pièces qui viennent de Keyway, de choses comme ça. Donc voilà, je vais essayer de regarder l'intérieur, l'intérieur qui est quand même assez sympa sur les phases 1. Alors le seul problème qui me reste c'est le tour de compteur que j'ai et le dessus de volant que j'arrive pas à trouver, c'est super compliqué. Sinon l'intérieur est quand même plutôt propre, on va le renettoyer bientôt avec ses tapis d'origine, ses petits semi-baquets en tissu. Donc voilà, sympathique comme tout. Donc oui, je l'ai pas précisé mais c'est une 5 portes, donc elles sont un peu plus rares, il y en a beaucoup qui les aiment moins, moi je la préfère parce que j'aime pas du tout la barre qu'il y a là devant sur la 2 portes. Après oui c'est vrai que j'aime beaucoup plus les ailes arrière de la 5 portes, c'est vrai que celle-là rappelle énormément de la 2 portes, enfin de la 3 portes, parce que c'est vrai que celle-là sur la 5 portes ça rappelle énormément un peu la BX avec le train qui rentre comme ça dedans. Bon après ça a son côté d'originalité hein, Donc après donc voici l'arrière, voici le cuc. Donc on a tout redépouillé, on a remis des belles plaques, voilà. On a refait l'aileron qui était complètement mort. Bon, il y a une petite ligne, on a refait la découpe pour laisser passer l'échappement d'origine. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour dedans. Et je vais vous montrer un peu ça sur la route. Je me fais agresser. Tu l'as vu repartir? J'ai pas vu rentrer. Ah! Y a quelqu'un? Avec GT.
Voilà la phase 1, donc qu'on reconnaît bien depuis derrière. De l'avant, on reconnaît un peu moins à part au sigle qui du coup est déporté sur la phase 1. En fait, il est sur le côté du phare, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, alors que la phase 2, il est au centre. L'intérieur est horrible sur la phase 2, c'est l'intérieur de la Saxo en fait. Et alors que là, il est quand même beaucoup plus joli, je trouve. Et puis surtout, là, la malle arrière, on voit enfin le béquet. Le haillon est beaucoup plus joli, je trouve, parce que en fait, sur la phase 2, il est beaucoup plus arrondi. Et là, je le trouve beaucoup plus plat, beaucoup plus. Je le trouve plus sympa, franchement, je le trouve beaucoup plus sympa. Et ben, on va pouvoir s'installer à bord, et puis on va aller faire un petit tour gentiment. Donc voilà, on est parti dans une voiture vieille de 30 ans. Qui à l'époque du coup remontait la marque hein, parce que Citroën était quand même dans une situation un peu particulière au moment de la sortie de la X. Et la X hein, sous toutes ses formes, hein, pas seulement la GT ou la Sport, avait quand même. On dit souvent qu'elle avait sauvé la marque. Et très souvent d'ailleurs, cette voiture est considérée comme, on la voit souvent si vous regardez un peu des documentaires là-dessus ou quoi, comme l'ovni de la marque, parce que c'est vrai qu'à l'époque, en fait Citroën c'était pas du tout une marque qui avait la cote, c'était une marque de vieux. Et celle qui avait la cote c'était Peugeot hein, à l'époque, hein, donc son concurrent de chez PSA. Concurrent du coup, oui, bon, c'est le même groupe, hein, mais. Mais c'est vrai que du coup à l'époque ils avaient essayé de donner une image plus jeune à la X en faisant des versions plus sportives. Ah d'ailleurs, on voit une petite RS juste là. Et du coup, ils avaient du coup décliné sous plusieurs formes. Donc à l'époque, c'est marrant parce que c'était fait pour les jeunes permis en fait. Parce que c'est vrai qu'on est quand même sur une puissance qui est assez limitée. Alors là où les performances sont bonnes, c'est tout simplement parce que c'est une voiture qui en fait, en état de marche, fait 700 kg. Bon, donc là, on va aller se faire une petite route. Et on va essayer d'accélérer un petit peu, vous montrer un peu ce que ça a dans le ventre. Donc on entend hein, qu'il y a une sonorité qui est assez sympathique. Alors comme je vous ai dit, on est monté sur une très grosse admission à l'avant. Donc on entend aussi beaucoup le bruit du capot, en plus de l'échappement. Bon, et bah allez, on va essayer d'écraser ça, le starter est au bout. C'est un moteur qui marche dans les tours. Surtout quand ça prend un peu des tours. C'est marrant, on sent vachement bien. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, à mon avis ça se sentira pas sur la vidéo, mais on sent le déclenchement en fait du deuxième corps, comme s'il y avait un turbo qui. Voilà, on sent que le moteur s'emballe d'un coup en fait. Simplement parce qu'il est gavé en essence d'un coup. J'ai les roues qui font boum boum dans le cas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc vous reverrez cette voiture du coup plusieurs fois, je pense, dans plusieurs autres vidéos dans un contexte un peu plus particulier. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette voiture vous aura intéressé, que ça vous aura permis peut-être de découvrir une voiture pour certains qui ne la connaissent peut-être pas.
Et puis voilà. Donc je vous souhaite de bonnes continuations, j'allais dire de bonnes fêtes de fin d'année, pourquoi pas, hein, en avance. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut.